Si un jour j'ai écrit ça, c'est... Yeah. Il s'appelle Rouillard, il vacille entre tease et fumette. Son avenir, il le voit en Cayenne sur la croisette. Car pour lui, ça va le faire, un jour ça va sourire. Les conséquences, laissez de côté, pas peur de mourir. Personne à nourrir, pour lui le pire, ce serait d'échouer la tête dans les choux et se vautrer. Mais ce n'est pas dans ses projets la tête haute. Il avance en évitant les dodanes. Sa fierté si graine qu'elle ferait flancher de d'un âne. Rarement, pour ne pas dire jamais, en manque de rime, il gratte le cahier, c'est persuadant que sa persévérance prime. Il y croit, il a raison, c'est ce qui le tient de façon. Il veut être grand, le petit n'a pas envie de finir maçon. Car issu d'une famille d'ouvriers, il aimerait voir celle-ci en vacances toute l'année. D'humeur naturelle, timide, réservée, froid, insociable. Les gens le jugent, les ados, les vieux, les vieilles, ils les effraient. Alors, s'il faut y aller, il ira, les tiges, il effra. Sa devise, je m'arrache avant d'être arraché. Les embrouilles, les règles avant de les arranger. En mode déchiré, il est bien comme dans un appart mal rangé. Pris dans l'ambiance, il zappe de manger, zappe le danger. Vas-y qu'une béquille, un mur sur lequel il se pose. Vas-y qu'une épaule sur laquelle il se repose. Car depuis ses 10 piges elle est présente. Il part d'elle comme d'une âme et confiante. Elle le suit dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand il parle d'elle c'est comme s'il parlait de sa maman. Énormément de respect envers ses géniteurs. Il aimerait voir tous ses fils d'eux en train de gémir se taire. Car trop nombreux sont les orphelins dans les deux hémisphères. Il s'adresse à la famille, ses deux sœurs et ses trois frères. Son rôle d'aîné, il le prend à cœur, il en est fier. Parti assez tôt de la maison pour les chiffres 16 piges. Les bêtises s'en suivent, il a échappé aux tiges. Les conneries, le bise, pour lui ça devenait banal. Jusqu'à ce qu'il voie le visage et l'air déçu de son daron au tribunal. Ce n'est que la santé, mais pour lui ce n'est pas grave. S'il fume, s'il boit, ce n'est pas pour avoir la voix grave. C'est que c'est comme ça, avec ou sans ce héros, sans sa cape. Conseil, joue pas avec lui, cap ou pas cap, prêt à tout. Il n'y crée tout pour rien, rien à foutre des autres. Ce qui le tient, c'est les siens. Entre la famille et les frères, la liste est longue. Alors va te foutre d'elle, calaille, car prise est sa langue. Un rebelle magicien a juste envie de parler, de faire disparaître les commères et leur pourparlers. Parce que j'avais rien d'autre à faire.